In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Atlas et aujourd'hui pour l'épisode 3, je suis toujours en compagnie de Fio l'imbattable, le magnifique, tout ce que vous voulez, tant que ça me glorifie. Dans le troisième épisode, on se retrouve sur la map. Comment elle s'appelle cette map d'ailleurs? Autoroute de montagne en français. Oui, c'est vrai. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Tu montres à nos camarades où on commence. Bon, pas de soucis, donc c'est super simple. On commence ici. On va atterrir ici. Et donc, on va faire ce petit chemin comme ça. Et après, tout se passe là-dessous. Voilà, donc la suite se passe en dessous. Donc, suspense, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Attention. Voilà. Il y aura peut-être des monstres et tout. Ah oui, il y a peut-être des dragons à tuer comme dans Skyrim. Voilà, un truc de fou. Donc, voilà, le briefing est fini. Merci. On se retrouve sur la phase d'action. Et donc, c'est parti, camarade. Est-ce que tu es prêt pour cette mission difficile, mais avec tant de passion et d'action? Ah oui, je l'adore tellement que je serais capable de la faire 100 fois. Là. C'est déjà le cas. Tu sais, je pense que même que je la ferai en mission test pour un jour, pour l'entrée à la CFPD, ça se trouve. Eh oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Donc, tu descends, je te laisse descendre. Ah, bah, trop d'honneur, merci. Allez, vas-y. Ah, il me laisse faire parce qu'il sait que j'adore descendre les échelles pour tuer voilà. Après. Vous avez vu la rapidité d'action. Vous avez vu les chevilles aussi qu'il a maintenant. Ah oui, bah ça. C'est pour ça que je ne cours jamais et je vais trop lentement. Et je suis trop lourde. Exactement, c'est des boulets. Ah, je l'ai raté. Mais je me mets à couvert. Tu l'as pas eu? À terre. Ah, voilà. Bon, voyons voir s'il y a du monde par là. Ouh, il y a du monde. À droite. Il y en a deux à droite. J'en ai eu un à droite. Allez, je vois le deuxième. Je vois pas grand chose du deuxième. Ouf. J'ai entendu des coups de feu là, fais attention. Oui, mais t'en fais pas, il est mort et je n'ai pas pris. Ah oui, j'ai oublié de modifier les camouflages, parce que c'est pas top blanc quand tu rentres dedans. Oui, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que des fois on est visible plus facilement. Oui, j'ai oublié de le faire dans les configs du serveur. Je l'ai fait pour le solo de me mettre en noir, mais c'est vrai que pour le multi j'y pense jamais. Ça fait mal. Le smoke, ouais, je vois un mec. C'est bon, tu peux smoke. Ouh, il y en a un deuxième. Ça en fera deux de moins. Vas-y, je couvre, tu peux smoke. Prends ton temps. Faut au moins en garder une hein, pour. J'en ai deux encore. Faut au moins en garder une pour l'otage d'après. Ah non, j'ai des aveuglantes au pire. Oh bah non, on peut tout utiliser, c'est pas grave. Vas-y, je smoke là au cas où. Oui, putain, il y en a plein là. T'inquiète. Je crois qu'il y en a un qui va me foncer dessus en plein temps. Ah oui. C'est le cas. C'est bon, il meuf. Ah, c'est là où on adore avoir un sniper avec une thermique pour nous sauver des fois. C'est bon. Je suis plus dans la fumée. Il y en a plus. J'envoie une fumigène. Au fond. Tout ça au fond. Je suis touché. Ouais, ça tire. Bouge, ouais. Remonte. Dans la fumée. Il est au bout mais j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai eu. Vas-y, je passe en premier hein, vu que je t'ai blessé. Laisse-moi faire. Non, c'est bon, je suis pas blessé. Ah, t'es pas blessé? Ouais. Ah, j'aurais cru. T'as le capteur ou pas? Ouais, derrière, je vérifie. Un derrière, qui monte. Qui monte? Comment ça qui monte? Bah t'es une petite pente à gauche. Oui, la terre. Bon, ça doit être RS et RS au niveau des otages. Oui. Est-ce qu'il te reste. Alors, on a deux solutions. Soit on balance une fumée devant, soit je balance une aveuglante et on fait les fifous. J'ai une fumée. Ah, mais on va peut-être balancer une aveuglante pour montrer quand même qu'est-ce que ça fait. Ouais, vas-y. Attends. Ça fait plaisir, moi je te couvre derrière parce que je pense que t'as pas besoin de moi. Bah, si tu veux, c'est comme tu veux, c'est toi qui. Tu peux lancer l'assaut si tu veux. Moi j'ouvre la porte et. Ouais, mais attends, je vois pas lequel c'est en fait. Parce qu'il y a trois.
Il y a trois capteurs et vu que. Pour ça que je préférerais plus une fumigène pour avoir le temps de voir qui est vraiment le. Mais non, tu vas voir. Ah, je crois que les otages sont tous les deux à gauche. Vas-y, vas-y, intervention. Derrière la porte. Vas-y, tire, tire, tire. Voilà, tu vois. J'ai failli tuer les otages, je crois. Mais non. Ouf. C'est bon, on les a, les otages. Faut un petit peu d'action hein, pour nos spectateurs. Voilà. Hein. Si c'est trop facile, c'est pas marrant. C'est bon. J'ai les otages derrière moi. Moi, je surveille là au cas où. Cours, cours, cours. Hein, passe-moi devant, passe-moi devant. Cours, cours, cours. T'en fais pas. C'est bon. Normalement, il y en avait un en bas à gauche. C'est pas grave, cours. De toute façon, on n'y retournera plus là. Je cours avec le capteur. Hein. Vas-y, de toute façon, je suis derrière, je couvre au cas où. Hop. Je monte. Monte, je monte, je monte, je monte. Hop. Capteur toujours. J'attends les otages quand même. Monte. Monte à l'échelle les otages ? Oui, oui, t'en fais pas. C'est bon. Des fois, tu sais, ils peuvent bien te mettre une difficulté en plus et passer par. Ah non, bah non, sinon ce serait. Je passerai pas par là, sinon c'est pas marrant. Hein. Hop. C'est pour ça que j'aime bien ce côté parce que. Ça, y a de l'action, mais après, quand tu finis la mission, t'es tranquille. Voilà. Parce que vu qu'on a déjà nettoyé toute la zone, normalement, on devrait pas nous embêter. Bon, j'avance. Allez, plus vite. RAS, bon, je capte des mecs, mais ils sont en bas. Fais attention aux portes hein, quand même au bout. Hein. Otage en sécurité. Le deuxième, il est... tu le vois ou pas le il arrive, il arrive, il arrive. Cours, Forest. Il court plus vite que moi. Ouais. Cours, Forest. Il est où? Ah, il arrive. Bon, cette mission est un succès alors. Ah, magnifique succès, okay. Oui. Donc on se retrouve sur la phase de débriefing. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le débriefing. Pour cette mission réussie avec un franc succès. Ouais, j'ai eu peur que de te perdre à un moment quand ils t'ont tiré dessus, mais tu es encore vivant. Et je passe entre les balles. C'est ça, la force de Jack. Donc bon, la mission est, comme on vous a dit, hein, on voit pas trop sur la carte. On a fait. On va voir en fait en dessous. Donc vous avez vu, il n'y avait pas de monstre, pas de dragon. Non, c'est Valo, je suis déçu. On reste hein, sur Rainbow Six. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. As-tu des choses à rajouter, Fio? Bah, n'hésitez pas à vous abonner, regardez ma chaîne et celle d'Atlas, rejoignez la SFPD, bref, vous aurez tout affiché sur l'écran d'un coup, c'est pas un problème. Voilà, tu as tout dit mon ami, donc à l'épisode numéro 4 et portez-vous bien. À la semaine prochaine, bisous.